Ouais. Vous aussi? Comment? Vous aussi, ça va? Moi, ça va. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. L'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous sommes particulièrement en lien aussi avec les autres vigiles pascales de notre pôle et à la Ferté-Gaucher. Dans chacune de ces vigiles pascales, les adultes, les collégiens et lycéens seront baptisés ce soir et nous pensons à ceux qui seront baptisés demain. 6 adultes vont être baptisés ce soir ici. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de la splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit vraiment dans le cœur de chacun. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Nous allons partager cette lumière. Le cierge pascal entrera en premier dans l'Église, suivi des servants. Puis des futurs baptisés avec leur parrain ou marraine,
ainsi que les accompagnateurs, et ensuite le reste de l'Assemblée. Vous allumez les cierges. On va dégager l'entrée. Pascal se met tout de suite devant. Les servants, vous mettez derrière. On dégage. Hop. Pour... Je viens à ma puce. Ma puce. Les servants, vous avancez. Oh, je m'occupe pas. Non. Là, vous avancez. Il y a des baptisés qui sont encore là. Attendez, il y a des couples baptisés qui ne sont pas encore arrivés. Voilà. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Baptisé avec le parfum de même. Là, je baptisé, vous avancez. Et l'Assemblée. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous puissiez vivement annoncer la grande joie de Pâques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'annonce de la résurrection qui démarre après notre entrée.
Cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques.
gardant nos cierges allumés, nous pouvons nous asseoir et nous entourons la longue liturgie de la parole de Dieu. Texte après texte, cette longueur fait partie de la pédagogie. On va se raconter l'histoire de notre famille à travers un certain nombre de textes bibliques. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte
par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous tes fils, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il était là et avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles.
après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qui vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles voulurent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Un des
catéchumènes qui se préparent à la confirmation, d'autres que vous. Voyant le tabernacle ouvert et vide, m'a envoyé un message affolé. Il est vide. Où il est? Avec un smiley tout en pleurs. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'elle faisait l'expérience, il y a 2000 ans, des femmes au tombeau qui le voyaient vide où il est. C'est vrai que depuis jeudi soir, tabernacle est vide. Pour dire cette présence-absence du Seigneur, il n'y avait ni mesque, ni rien. Quelqu'un m'a demandé de bénir de l'eau aujourd'hui, j'ai dit non. Je ne peux bénir qu'à partir de ce soir, parce qu'il faut attendre l'annonce de la résurrection. Et la résurrection, ça veut dire Jésus qui est vivant réellement au milieu de nous. C'est ce qui pourrait être fou pour ceux qui ne partagent pas notre foi, et je les comprends. La foi, ça ne se décrète pas, je ne peux pas l'imposer. C'est une découverte personnelle. Mais quand on a découvert le Christ, alors on ne peut plus s'en détacher. Ou pourquoi, quand on est dans la nuit de la foi, qu'on a du mal à ressentir sa présence, alors c'est un vrai vide que l'on ressent. C'est quelque chose de difficile. J'étais tellement bien avec lui, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Est-ce lui qui n'est plus là, ou moi qui n'en suis plus, ou l'expérience simplement de la foi à l'état pur? Parce que il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des moments où notre prière soit sans rien ressentir. Et ça serait même mauvais qu'on cherche à être tout le temps dans l'émotion. Parce que ça veut dire qu'on aurait la foi que si on sentait des choses. Ça c'est très dangereux. La foi, c'est savoir que le Christ est là, même si je ne me sens rien. Et c'est parfois qu'il y a ces choses que l'on ressent un peu plus fort. Ou qui ne sont pas des énergies. Ceux qui recherchent les énergies, dans la Bible on dit bien que ça vient de Satan. Non, c'est un amour. C'est un amour simple du Seigneur qui est là. Et on a eu cette longue histoire de famille qu'on a entendue dans l'Ancien Testament. Et il a appelé Abraham, et il a appelé Moïse, et puis on a entendu Isaïe, et puis on a entendu Marie. Il les a appelés en direct. Le Seigneur passe par des personnes en direct, jamais en différé, pas sur des écrans. Il appelle en direct. Vous allez être baptisés dans un instant. L'eau va couler sur votre front. Enfin, plus que le front, parce que quand je baptise, vous savez, je baptise. Mais, par ce baptême, vous devenez enfant de Dieu. C'est la folie de notre foi, de ce que nous dit Jésus. Je suis le Fils unique de Dieu, mais je ne veux pas garder cette dignité d'enfant de Dieu pour moi. Je veux la partager avec vous tous. Enfant de Dieu, fille et fils de Dieu, quelle dignité, quelle dignité. Et vous allez devenir nos sœurs et nos frères. Et Jésus veut vous donner son amour, non pour que vous le gardiez pour vous, mais pour que vous le donniez aux autres, pour qu'il soit répandu. Notre monde vit un temps de folie. Notre monde vit un temps dangereux. Notre pays est secoué. Et il y a besoin de témoins d'amour. Oh, pas des petites fleurs comme ça, un peu dans les étoiles. Non, mais vraiment, en aimant ceux qui sont autour de nous, réellement, par des actes concrets. Cette année, j'ai aimé dire à beaucoup d'entre vous que la station du chemin de croix qui me marquait le plus, c'était Véronique quand elle essuie le visage de Jésus. Et voilà que sur le voile, le
visage de Jésus s'appelle. Nous sommes invités à essuyer le visage de nos frères quand ils pleurent, quand ils sont dans la peine, quand ça ne va pas bien. Et qu'à travers notre amour, ils découvrent l'amour de Dieu. Certaines et certains d'entre vous peut-être se disent « Oui, bien sûr, je crois en Dieu, mais avant que tout ce que je travaille, comme boulet, comme chaîne, mon passé, les histoires de famille, les histoires avec mes amis, les trucs que j'ai pu faire dans le passé, Dieu ne peut pas m'aimer, c'est pas possible. Si, qui que tu sois, Dieu t'aime, tu es essentiel à ses yeux. » Il y a une phrase dans la Bible où chacun doit oser dire, Dieu, qui est répété plusieurs fois, je te rends grâce pour la merveille que je suis. C'est pas de l'orgueil, l'orgueil c'est dire je suis mieux que les autres, mais s'aimer soi-même, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Oser dire ça. Parfois c'est dur, j'ai du mal à le dire de temps en temps. La merveille est un peu abîmée, mais Dieu il nous dit ça. Et voyez-vous ce qu'on vit dans cette semaine sainte qui nous amène à cette célébration qui est la plus importante, c'est de pouvoir de nouveau, en découvrant cette présence de Dieu, croire à l'amour véritable. Alors bien sûr, par le baptême, vous allez être lavé de tous vos péchés. Mais je crains que vous soyez comme moi, pas forcément parfait dans les jours qui viennent, ça va peut-être venir quelques jours. Mais il y aura peut-être besoin de demander le pardon du Seigneur de temps en temps. C'est le sacrement de réconciliation. Et ce qui m'a touché durant toute cette semaine sainte, c'est le nombre de jeunes qui sont venus se confesser. Alors ça, c'est neuf. On a une génération qui est en attente, qui demande, qui désire. Et alors là, ça a été très impressionnant. Et puis, avec un désir, depuis le début du carême, de le vivre à fond, et d'être désolé parfois de ne pas avoir vécu comme on voulait. Ah oui, mais peut-être que Dieu invitait à ce combat, que c'était un autre carême qu'il proposait. Aujourd'hui, Amaya, Victoria, Angelina, Anne, Sergi, Rémi, William, vous allez être baptisés. L'année dernière, en France, il y en a qui sont ici, qui fêtent leur première anniversaire de baptême, et qui sont venus ce soir, je les ai vus. L'année dernière, en France, il y avait 4200 baptisés à peu près. 5463 adultes de plus de 18 ans qui demandent le baptême cette année. 28% de plus, dont la plupart ont entre 18 et 25 ans. C'est un nombre de collégiens, de lycéens qui demandent le baptême qui est dans la même augmentation. Alors l'Église morte, disent certains. Non. Non. Mais par pourquoi? Peut-être que dans les moments qui sont difficiles, on a besoin de se reposer les questions essentielles. On a besoin de se dire, mais où est la vérité? C'est quoi le sens de la vie? J'en ai peut-être marre de chercher à me procéder en permanence, des tas de trucs en plus. J'en ai peut-être marre d'être en permanence sur les écrans, etc. C'est pas que c'est mauvais quand c'est abusif. J'ai envie de retrouver le sens de ma vie. J'ai envie de trouver vers où je vais, où est la lumière. Alors aujourd'hui, j'espère pour chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, soit de découvrir cette lumière, soit de la redécouvrir, et si on est en plein dedans, de la partager. Mais la vraie lumière, celle que le Christ nous dit, parce que malheureusement, alors heureusement, les réseaux sociaux permettent des belles choses,
Et parfois, il y a des trafiquants de Dieu aussi sur les réseaux sociaux. Il faut s'en méfier pour savoir où on va. Le plus simple, le plus sûr, c'est de lire l'Évangile. Puis il y aura toujours une page qui vous parlera. J'ai entendu de tous les catéchumènes. C'est étonnant, chaque fois que j'ouvre ma Bible, je la lis, j'ai l'impression que ça a été écrit pour moi. Quand je vais à la messe et que j'entends une parole, j'ai l'impression que c'est pour moi. Alors j'ai reçu des témoignages des catéchumènes qui sont extraordinaires. J'ai parfois lu dans certaines homélies. Ils viennent nous rafraîchir. Faisons attention à bien les accueillir. Faisons attention à ne pas nous réjouir seulement le jour de leur baptême, mais chaque jour. Ils sont nombreux sur notre pôle à être baptisés ce soir et demain. Certains ou certaines, quand ils viennent à la messe, ils viennent avec leurs enfants. Et c'est toute une préparation pour les mettre dans la voiture, préparer qu'ils arrivent là. Est-ce qu'on a envie de participer à la messe? Parfois, il y a des parents seuls avec les enfants. Alors, j'ai déjà dit une fois. Mais attention à ne pas faire les gros yeux quand il y a des enfants qui bougent et qui piaillent. C'est normal, ils sont là. Et les parents ont fait des efforts. Il y a des catéchumènes qui, il y a quelques années, ont quitté l'église sur la pointe des pieds parce que on a eu du mal, on a eu des regards sur les enfants qui faisaient du bruit. Jusqu'à certains qui disent, malheureusement, c'était entendu des claques. Ça, c'est pas religieux, ça. On accueille les catéchumènes, ils sont nombreux, et on veut les accueillir complètement. Tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont, et nous sommes heureux. Mais nous, les vieux chrétiens, il faut que nous soyons attentifs, ils sont nombreux. Dieu les appelle et ils sont différents de nous. Et nous devons entendre ce que Dieu nous dit à travers leurs différences. Ne restons pas sur nos vieux schémas de chacune, de chacun de nos groupes. J'ai du mal à trouver ma place parce que ceux qui sont engagés, ben, voilà, ils gardent tout. Comment j'ai ma place, comment j'ouvre, comment je tends la main. Alors nous avons une conversion, nous les vieux chrétiens, à faire pour accueillir tous ceux qui viennent. On a eu mercredi la rencontre des prêtres toute la journée avant de renouveler à la messe chrismale, qui était douloureuse pour certains, la messe chrismale pour renouveler nos engagements auprès de notre évêque. Sur une centaine de prêtres actifs dans notre diocèse, plus de 70 viennent de l'étranger. Ça change une culture, ça change une manière de vivre entre prêtres dans notre diocèse. Et ces prêtres missionnaires qui viennent chez nous, ils auront une autre culture que nous devons accueillir et nous laisser transformer mutuellement. L'accueil des catéchumènes vient nous inviter à une vraie conversion. Alors si le Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité qu'hier, il continue et il donne la vie aujourd'hui. Donc accueillons la vie d'aujourd'hui, pas la vie d'hier, mais celle d'aujourd'hui, et laissons-nous transformer par les catéchumènes, 5463 en France. Ceci dit, on a eu un message du Père Patrice, on sait que c'est pas facile dans la région où il est, que ces communautés sont en lutte l'islamisme que certains chrétiens doivent fuir. Dans sa paroisse, ils sont quand même 70 malgré les risques à être baptisés cette nuit. Alors nous,
mon siège ruiné, de la vingtaine, un peu plus vingtaine de mes humaines entre les jeunes, les adultes, mais là, devant le risque, 70 qui vont être bâtis ce soir. Donc on prie pour lui aussi. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Pour vous.
l'Éternel est tout-puissant, vient agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples de nouveau qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rendre efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère. Par le Christ notre Seigneur. Par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez répondu, j'y renonce. Et
d'être baptisé, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Anne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
pas sur ce qui est passé juste avant. Pour ceux qui ont la mauvaise foi, je fais la correction. La culture familiale ne peut pas discuter de l'avancée de plus. Amaya, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sergi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Confirmation bientôt de Tatiana aussi, donc
détails pour les rencontres avec les vrais, avec vous. Ça, c'est ça, il y a de la joie. William, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le ciel. Vous êtes nés à la vie nouvelle.
vous êtes devenu membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de vous le jour de la Pentecôte. Il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis, jusqu'à ce jour, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa résurrection. Et vous serez des membres vivants de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Frères très chers, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur ces nouveaux baptisés, qu'il les confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son onction de les rendre semblables au Christ, Fils de Dieu. Nous invoquons l'Esprit Saint.
Anne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit. Alléluia.
Anne, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Le Saint-Esprit, le don de Dieu. Amalia, Victoria, reçois le don du Saint-Esprit, la force de Dieu. Reçois le don du Saint-Esprit, la force de Dieu. Reçois le don du Saint-Esprit, la force de Dieu. Vous avez revenu dans votre place. Vous avez été marqué de l'eau, mais dans l'assemblée, ils sont jaloux, parce qu'ils n'ont pas encore profité à asperger avec eux. Donc je vais faire le tour.
saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la part de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Thank you.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille le temps, supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Sois avec nous. Encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Par ta croix.
offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Yves, son auxiliaire Guillaume, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'esprit, en particulier ici, Amaya, Utopia, Angelena, Anne, Sergine, Tiffany, William. Tu les as fait renaître pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ginette Roquerel, de Raymond Barnon, d'Hélène Riva, de Denise Brusconi, des défunts de la famille Riva et Mucchielli, de Jacques de Vasselot. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Denis, Sainte Foy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ.
qui en est.